Le cri a retenti dans la jungle africaine. Les animaux les plus courageux sont saisis d'effroi. Cheetah, la panthère, dissimule son pelage dans la frondaison des cimes. Numa, le lion, et Sabor, son épouse, s'aplatissent parmi les hautes herbes. Bara, le daim, franchit d'un bond le ruisseau où il s'abreuve. Seuls, les grands singes ne tremblent pas. Ils se réunissent au centre de leur amphithéâtre, cette clairière secrète où résonnent parfois les tambours de terre. Ils attendent l'arrivée de Tarzan, le seigneur de la jungle. Depuis le jour où nous avons quitté le jeune Tarzan, de nombreux événements ont bouleversé la vie de la forêt. Tarzan a grandi. Il est devenu un superbe athlète de 1,90 m, aux muscles longs et puissants. Il a défié les plus dangereux animaux de la forêt et les a vaincus avec l'aide de son seul couteau. Mais il s'est fait aussi beaucoup d'amis, petits et grands, parmi eux, Tantor, l'éléphant, et son plus fidèle compagnon. Un grand chagrin, cependant, a bouleversé la vie de Tarzan. Celle qui lui servait de mère, la guenon Kala, est morte, percée d'une flèche empoisonnée. Le coupable est un guerrier de la terrible tribu Mgamba. Mais que dit Manu, le petit chimpanzé, l'ami de Tarzan ? Viens voir, Tarzan, viens voir. J'ai vu des peaux blanches, des singes blancs, quatre. Trois mâles et une femelle. Toi, venir vite, là-bas. Kakomita, Ivo Katok. Le cœur serré par l'émotion, Tarzan suivit le petit chimpanzé qui voltigeait de branche en branche en direction de la plage où, jadis, un noble anglais et sa jeune femme avaient été abandonnés par l'équipage de leur navire. Sur la plage, à côté d'une barque échouée, trois hommes et une jeune fille étaient allongés, épuisé. Où sommes-nous, monsieur Clayton? Ah, je n'en sais fichtre rien, lieutenant d'Arnaud. Mais cet endroit me paraît tout à fait confortable. Avec votre permission, ma chère Jeanne, je vais dormir. Oui, dormir. Moi aussi. Savez-vous que nous avons ramé 4 jours sur ce canot de sauvetage? Oui, 4 jours depuis que notre bateau a coulé. Nous sommes les naufragés, les pauvres naufragés, qui n'ont rien pu sauver. Le bateau a coulé dans les flots bleus sombrés, dans les flots bleus sombrés. Nos marins sont noyés, nos vêtements déchirés, nos fusils tout rouillés, nos cheveux tout salés, nos cheveux tout salés. L'estomac crie famine, pas même un peu de farine.
mais monsieur Philander, si l'on en croit sa mine, se plaît sur cette terre. Se plaît sur cette terre. Jeannette explorateur, d'Arnaud navigateur, mais Jeanne qui a très peur ne peut sécher ses pleurs. Ne peut sécher ses pleurs. Heureusement pour elle, un homme sur elle veille. Caché dans les feuillages, on devine son visage. Malgré son brunissage, cet homme comme elle est blanc. Cet homme comme elle est blanc. Et c'est bien sûr troublant quand soudain se dressant, il lance son cri perçant. C'est le cri de Tarzan. De Tarzan l'enfant blanc, devenu le plus grand et le plus stupéfiant de tous les hommes blancs. De tous les hommes. Mon Dieu, vous avez entendu? Cela vient de la forêt. Eh bien, n'aie pas peur, ma petite jeune. N'aie pas peur, ton vieil oncle, le professeur Philander, spécialiste de la faune et de la flore équatoriale, est là pour te protéger. Je vous adore, mon oncle. Mais c'est la première fois que vous venez en Afrique et vous n'avez encore jamais vu d'animaux sauvages autrement qu'en reproduction sur des livres d'images. Mais, regardez, ne dirait-on pas une cabane? Où ça? Là. Ah oui, très juste, lieutenant, une cabane de ronde. C'est bien ça, John. Mais, ma foi, vous avez raison. Allons voir. Venez, Jeanne. Ils se hâtèrent vers le petit édifice construit jadis au sommet d'un promontoire par le père de Tarzan, mais ils s'arrêtèrent stupéfaits devant un écriteau cloué sur la porte de la cabane. Ceci est la maison de Tarzan, le roi des grands singes, le seigneur de la jungle. Oh, étrange, étrange. Mais voilà qui... Il vient tout à fait confirmer mes théories. Mais quelle théorie, professeur? Lieutenant, je prétends que le singe descend de l'homme. C'est une conviction absolue. Or, ce Tarzan, vous en conviendrez, ne peut être qu'un singe puisqu'il a voulu lui-même en être le roi. Et d'autre part, il sait écrire. Il sait écrire. Je tiens là, mes amis, la preuve éclatante que les singes descendent de l'homme. Je ne voudrais pas vous faire de peine, mon oncle, mais tous les savants s'accordent à penser jusqu'à ce jour que c'est l'homme qui descend du singe, et non le contraire. Cela ne laisse rien présager de bon de ce monsieur Tarzan. Oui, nous verrons. Nous verrons. En tout cas, je vous propose d'entrer dans cette cabane. Et nous y serons à l'abri pour la nuit. Je vous en prie. Caché dans un arbre qui surplombait la crique, Tarzan avait assisté à toute la scène. Bouleversé, il découvrait l'existence d'êtres qui lui ressemblaient, tout aussi médiocrement fournis en poils et avec la même peau blanche. Tarzan n'était donc pas un monstre parmi les singes, mais un être différent des singes. Sans comprendre le langage des hommes, il devinait les qualités et les défauts des nouveaux venus. Celui que les autres appelaient Clayton lui semblait lâche et fourbe. Le petit homme myope en redingote noire l'amusait beaucoup. La voix grave et franche du lieutenant d'Arnaud était un signe de droiture et de courage. Mais la jeune fille avait fait naître en lui un sentiment nouveau. Jamais son cœur n'avait battu aussi fort. Jeanne était belle, elle avait des cheveux d'or et des yeux bleus comme des reflets d'azur. Tarzan s'endormit dans l'arbre, le doux visage de la jeune fille gravé dans son esprit. Au petit matin, nos amis bien reposés sortirent de la cabane. Ils se répartirent les tâches afin d'organiser au mieux leur nouvelle existence. D'Arnaud alla pêcher avec un harpon de sa fabrication.
John Clayton partit rassembler une provision de bois sec pour le feu et Jeanne entreprit d'embellir leur abri afin de le rendre plus confortable. Quant au professeur Philander, il gambadait joyeusement à la lisière de la forêt parmi les fleurs au parfum capiteux et les animaux craintifs qui s'enfuyaient à son approche. Soudain, il s'arrêta et se baissa pour caresser un joli pelage tacheté de jaune et de noir. Magnifique, magnifique! Voyons, voyons, est-ce que ce ne serait pas une panthéra parvus? Et allons, 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 sois sage. Hein? Laisse-moi voir tes petits dents. Coucher, veux-tu bien coucher, je te dis? Professeur, mais vous êtes fou! Mais pourquoi, John? Eh bien, expliquez-vous, je vous en prie. Mais parce que cette chose que vous caressez, c'est une panthère. Une panthère, ben oui, alors. Mais alors, les panthères, ça mange les hommes. Sauf qu'il peut, professeur. Sauf qu'il peut. Mais John, vous pourrez vous suivre. Ah oui, les panthères. Il a peur des panthères. Il dit que les panthères mangent les hommes. Mais il a raison. Il a raison. Les panthères mangent les hommes. Au secours! Le professeur déguerpit en sautillant et trébuchant, pétré qu'il était dans sa redingote. Tarzan riait dans son arbre. Quelle chance pour ce petit homme, pensait-il, que Chita ait déjà pris son repas, car les animaux de la jungle ne tuent jamais par plaisir, à la différence des hommes, mais uniquement lorsqu'ils ont faim. Heureusement. La porte ! Fermez la porte ! Vite ! Ah, vous alors ? Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait une belle peur. Écoutez, je propose qu'on ne laisse plus le professeur Philander s'aventurer seul dans la forêt. Je suis de votre avis, John. Est-ce bien entendu, mon oncle? Oui. Nous ne vous laisserons pas terminer votre carrière dans le ventre d'un boa. Oui, ou d'une panthère. En début d'après-midi, alors qu'il sortait de la cabane, le lieutenant d'Arnaud découvrit sur l'herbe, à quelques pas du seuil, un magnifique assortiment de fruits. Il y avait aussi un bouquet de fleurs et un message tracé en gros caractères sur une peau de bête. Ces fleurs ont été cueillies pour la jeune fille par Tarzan, le roi des grands singes. On aura tout vu. Non, voilà qu'un singe grossier offre des fleurs à une jeune américaine. Admirable, vraiment admirable. Je ne trouve pas grossier, John, mais gentil. Si Tarzan est un singe, c'est en tout cas un singe fort galant. Mais en seriez-vous amoureux, Jeanne? John, est-ce de l'humour ou de la jalousie? Alors, cessez de vous disputer, mes enfants. Hein? Si nous dégustions plutôt les fruits succulents que nous a apportés cet homme singe. Pourquoi pas? Excellente idée. Le lendemain, alors que Tarzan était allé cueillir d'autres fruits dans la forêt, Jeanne se promenait en compagnie de Clayton et d'Arnaud. Ah, pourvu qu'un bateau vienne bientôt nous libérer. Non, ce pays est affreux, affreux. Et la nuit, avec tous ses bruits. Non, moi, j'avoue que cette jungle me donne le frisson. Ah, mon Dieu, j'aspire moi aussi à cette délivrance. Mais enfin, nous avons un ruisseau pour boire, un fusil pour chasser, un abri solide, oh. et les fruits de notre ami. Au fond, ce séjour est une expérience plutôt agréable. Je suis de votre avis, lieutenant d'Arnaud. Cette nature sauvage est si belle. Mais qu'avez-vous, Jeanne? John, regardez! Ah, mon Dieu! Un gorille! Mais où est-ce que vous? Clayton, ne tirez pas, vous risquez de blesser Jeanne. Mais cette sale bête l'emporte dans les arbres! Elle est perdue! Non, essayons de les suivre. Nous saisirons la première occasion pour tirer l'animal sans danger pour Jeanne. Mais vous êtes fou, d'Arnaud! Nous allons nous faire massacrer dans cette forêt! Mais Clayton, dois-je comprendre que vous hésitez à sauver votre fiancée? Allez, enroutez vite! Mais à quoi bon? Le monstre l'a déjà dévoré, c'est sûr. Non, laissez-moi. Je vais me retirer dans la cabane et donner libre cours à mon grand chef. Vous êtes ignoble. J'irai seul à sa recherche.